Moi, je lui ai mis un petit pont. S'il te plaît, calme-toi, j'arrive, t'es pas rentré, hein, t'as flippé, mon gars. Qui a dit que c'est pas marqué des buts? Et c'est le challenge. Ça fait très 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 mal au niveau du score. Salut YouTube, c'est Coach-Yann, ça va ou quoi? Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ASEAN Cup saison 2. L'ASEAN Cup, du coup, c'est une formule championnat. Il y a 3 équipes. Toutes les équipes se rencontrent à l'issue de ce championnat. Il y aura 2 équipes en tête du classement. Ces 2 équipes joueront la finale. Et la grande finale désignera un vainqueur qui sera le champion de l'ASEAN Cup. Qui dit saison 2, dit saison 1. La finale, c'était Team Vinsky vs Team Sean. C'était une saison incroyable. Franchement, on avait trop kiffé. Et je vous propose de regarder les meilleurs moments de cette saison 1. Voilà, vous avez vu la saison 1, c'était archi chaud. D'ailleurs, qui va faire cette ASEAN Cup saison 2? Je vous propose de rencontrer les équipes dès maintenant, c'est parti. On est là avec le Vinsky FC, la première édition, j'avais été en finale. Mais là, j'ai ramené mon équipe, ça va les gars, vous êtes chauds? On va tout donner, on laisse aucune balle à l'adversaire. On va marquer, 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 rien rentre aujourd'hui les gars, ça va le faire. La ASEAN Cup, là nous on est venu pour gagner. T'as vu, on a habillé tout en noir, ça veut dire là on fait peur là. Que des visages sombres, aucun sourire. Dis-moi, là tu peux faire quoi? Contracter, rentrer les bides les gars là. Bon, vous avez vu les équipes maintenant, forcément, hein, qui dit ASEAN Cup, dit Team S3. On est archi chaud cette année, ça sera beaucoup plus difficile que l'année précédente. Mais on a l'équipe qu'il faut pour remporter ce tournoi. Je pense que les youtubeurs vous êtes avec nous, bien sûr, c'est obligatoire. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et nous supporter dans les commentaires. Bon courage aux autres équipes parce que ça va pas être facile pour vous. Maintenant, vous connaissez les équipes, mais vous savez que la ASEAN Cup, c'est un tournoi spécial. Et oui, il y aura toujours le délire de la smokance. En gros, pendant chaque match, à chaque fois que la balle va au gardien, l'équipe a la possibilité de demander une smokance. Une smokance, c'est simple, c'est un challenge. Chaque équipe a son propre challenge qui lui permettra de remporter au maximum 3 points qui seront additionnés au score du match. Le challenge de la Team Vinsky, crossbar challenge classique. Celui qui met la crossbar en premier gagne le point. Le challenge de la Team Oplay, c'est le poubelle challenge. Les 2 équipes vont faire un sprint. Le premier qui récupère la balle et qui la met dans la poubelle gagne le point. C'est bien sûr 3 points au maximum. Et le challenge de la team S3, c'est le 1 contre 1. Et chaque but, chaque petit pont, chaque sombrero, chaque grand pont vaut 1 point. Qui va gagner cette ASEAN Cup? Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si vous kiffez le retour de la ASEAN Cup sur la chaîne Coach-Yann. Abonnez-vous à la chaîne Coach-Yann en cliquant sur le tonton ASEAN qui apparaît juste là. C'est bon, t'as cliqué. On se voit bien sûr à la prochaine séance. Bye.